Tu as vraiment de la chance d'avoir des parents riches. Moi, j'ai pas de père. Il est parti quand j'avais 2 ans. Et ma mère, c'est une pauvre femme qui se bat corps et âme pour me donner le nécessaire. Quand je serai arrivé au Canada, mon père m'enverra sûrement de l'argent. Je vais t'envoyer la moitié pour que tu achètes le billet. Et on fera comme on avait dit. Tu vivras avec moi, donc tu n'auras pas à t'inquiéter de rien. On partagera tout, ensemble. Mon fils unique, je suis si triste de te laisser partir. Je t'en prie, sois sage. Ton père et moi, nous viendrons te voir dans quelques mois. N'oublie pas tous les conseils que ta mère et moi t'avons donnés. Je n'oublie pas papa. Je vous aime, vous allez me manquer. Oui, c'est moi le père de Ariel, David Mbappé, que se passe-t-il? Comment? Un crash d'avion? Je ne comprends pas, pourquoi? Pourquoi le Seigneur m'a pris mon fils? Pourquoi? Il était si jeune, mon pauvre fils. C'est tout mon monde qui s'écroule. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter qu'une telle chose arrive à mon fils? Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour mériter tout ça? C'est notre faute, Matthias. Nous avons abandonné le Seigneur. Quand il nous a bénis financièrement, nous ne l'avons pas honoré. Et maintenant, il a décidé de nous punir. Tout ça, c'est de la faute de ta sœur et de son mari. C'est eux. Ils ont ensorcelé notre maison. C'est eux qui nous ont jeté un sort. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas d'eux dans notre maison. Tu vois comment leur présence ici nous a coûté la vie de notre fils? Ce n'est pas de leur faute, Matthias. C'est à cause d'eux. Et je vais tout de suite les mettre à la porte. Non, Matthias, attends. Matthias, je suis vraiment désolé pour la disparition de ton fils. Où est ta femme? Elle est au travail en ce moment. Moi, je me préparais pour aller à l'église. J'allais d'ailleurs vous proposer de venir avec moi. Tu sais, la Bible déclare qu'en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, nous devons louer le Seigneur. Ne laissez pas cette situation vous mettre à terre. En ce moment, vous avez vraiment besoin d'eux. Tais-toi. Ça suffit. Mais c'est toi et ta femme qui avez emmené la poisse dans ma maison. Je veux que vous partiez d'ici tout de suite. Prenez vos affaires et partez tout de suite. Pasteur, voilà la situation qui nous arrive en ce moment. Maintenant que je vous parle, ma femme est ici à l'église avec nos valises. Nous n'avons pas d'endroit où aller. Matthias nous a mis à la porte. Il dit que nous sommes la cause du décès de son fils. Que c'est nous qui avons emmené la poisse dans sa maison. Je vous le disais la dernière fois, pasteur. Je crois bien que je suis maudit. Frère Jean-Yves, tu es un enfant de Dieu. Mais pourquoi tant de malheurs m'arrivent alors? Dieu est en train de t'enseigner. Tu dois prêter l'oreille et être attentif à son enseignement. Dieu ne nous parle pas que par la prière. Il nous parle aussi quelquefois, au travers des circonstances, et des gens qui nous entourent. Tu as beaucoup prié. Maintenant prends aussi un temps de réflexion, et d'introspection. Tu verras, que tu trouveras la source du problème. Écoute Jean-Yves. J'ai un ami qui possède un terrain pas loin d'ici. C'est un terrain en construction, et à côté, il y a un petit annexe, avec une chambre, un salon, et une salle de bain. Il était à la recherche de quelqu'un pour surveiller son terrain, et en contrepartie, cette personne peut habiter gratuitement dans l'annexe. Je vais lui parler de toi, et il t'appellera. Oh vraiment, merci pasteur. Merci pour tout. J'attendrai son appel alors. Cela va vraiment nous aider.
Oui, cela va vous aider pendant quelques mois, mais ce n'est pas un endroit où vous pouvez espérer bâtir votre foyer. Je vous conseille donc, à toi et ta femme, d'en profiter pour faire des économies, et de vous chercher un meilleur endroit par la suite. Oui, vraiment merci pasteur, je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est rien frère Jean-Yves. Tenez-moi au courant de la suite. On doit se laisser, je dois également recevoir les autres frères et sœurs, qui attendent. D'accord, merci pasteur. Alors Jean-Yves, qu'est-ce que le pasteur a dit ? On a trouvé un endroit chéri. Il va appeler un de ses amis, qui va nous donner un logement gratuitement. Vraiment ? Tu en es sûr ? Oh, gloire au Seigneur ! Il faut que j'entre pour dire merci au pasteur vraiment. Il est en réunion pour l'instant. J'attends juste de recevoir un appel, et on pourra se rendre à l'appartement. Tu n'as plus à t'en faire maintenant, Cindy. Mais, on est en plein chantier ici. Oui, c'est pour ça que le lieu est gratuit. Parce qu'on surveille le chantier, pour le propriétaire. Et tu n'as pas pensé que c'était important de me préciser ce détail ? Le plus important, c'est qu'on ait un endroit, ma chérie. Allons d'abord voir l'appartement en question. Que Dieu bénisse vraiment cette personne, qui a accepté de nous accorder ce logement. Mais Jean-Yves, tu es conscient que ce n'est pas un endroit où nous pouvons espérer rester trop longtemps. Oui, je le sais. Mais on va en profiter pour mettre l'argent de ton salaire de côté. Et on pourra partir dès qu'on en aura assez pour trouver un meilleur logement. Ce n'est pas que l'argent de mon salaire qu'on va mettre de côté, Jean-Yves. Toi aussi, tu dois trouver un travail. Oui, bien sûr, chérie. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, vu qu'on est à côté d'un chantier, tu pourrais en profiter pour te rendre utile là-bas. Tu devrais demander au propriétaire s'il n'aurait pas une place pour toi parmi ses travailleurs. Moi ? Travailler dans un chantier ? Mais voyons, Cindy. Je n'ai pas fait des longues études pour rien quand même. Ah ! Mes longues études là ne nous a pas encore nourris dans ce foyer. Donc oui, tu vas aller, et tu vas lui demander s'il n'a pas quelque chose pour toi, en attendant que longues études se décide à nous donner à manger ici-là. Chérie, on vient juste d'arriver ici. Au lieu de nous discuter, nous devrions prier, et consacrer ce lieu à l'Éternel. Allez. Je savais que le sujet de la prière n'était pas trop loin. Toi, à chaque fois qu'on parle des vraies choses, tu ramènes tout à la prière, pour me déstabiliser dans la conversation. Oh. Mais j'ai l'impression que tu as envie de te disputer, on dirait. Ah pardon, prions seulement. Allons-y. Bon, tiens ma main, et prions. Seigneur, je te dis merci, de la grâce que tu nous accordes aujourd'hui, de trouver un logement, et un endroit où habiter. Père, c'est entre tes mains que nous venons recommander ce lieu, nous prions qu'il soit purifié par ta présence, qui nous accompagne partout. Bénis ce monsieur de bonne foi qui nous aidait. Bonjour madame, vous êtes la femme de Jean-Yves ? Bonjour, oui c'est moi, mon nom est Cindy. Enchantée Cindy. Je suis le propriétaire du terrain. Je m'appelle Omar. Ah bonjour monsieur Omar. Ça fait un moment que j'essaie de joindre ton mari, mais il ne répond pas. Nous avons besoin de lui aujourd'hui, il était dans la liste des travailleurs, mais il n'est pas venu travailler. Et ce n'est pas la première fois qu'il manque une journée de travail sans prévenir. La dernière fois, il m'a dit qu'il devait aller à l'église, en urgence. Si vous arrivez à le joindre, dites-lui que nous avons vraiment besoin de lui. Merci beaucoup, monsieur Omar, je lui dirai. C'est un travail journalier, donc les absences ne me dérangent pas, tant que c'est prévenu à l'avance. D'accord. Vraiment désolé, monsieur Omar, je lui dirai sans faute. Merci, madame. Passez une bonne journée. Vous également. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un homme pareil, Seigneur ? Est-ce vraiment un péché de croire au faible commencement d'un homme et de lui faire confiance ? Pourquoi Jean-Yves se comporte ainsi vraiment ? Je suis sûre qu'en ce moment, Jean-Yves est à l'église. Moi, j'y vais tout de suite, comme ça, je vais raconter au pasteur
qu'il fuit le travail dans la semaine pour aller à l'église. Franchement, trop, c'est trop. Il exagère. Sinodi. C'est toi ? Erickson. Waouh. Je ne pensais pas te revoir ici. Je suis heureux de te revoir, Cindy. Mais, j'avais entendu dire que tu avais voyagé. Oui, après qu'on se soit séparés, je suis parti vivre au Nigeria pendant 2 ans. Dieu m'a beaucoup béni là-bas, et j'ai décidé de revenir, pour investir dans mon pays. Et toi, j'ai appris que tu t'es mariée, avec cet homme, pour qui tu m'avais quitté. Je ne t'avais pas quitté pour lui. Je l'ai rencontré juste après notre rupture. Oui, je suis mariée. Pas toi ? Non, pas encore. Je n'ai pas encore trouvé ma moitié. Je revenais d'un rendez-vous important, je viens juste de finir. Tu veux pas monter ? On peut aller parler même dans un petit café. J'espère que je ne dérange pas ton planning d'aujourd'hui. Non, ça va. Je n'avais rien d'intéressant à faire. C'est ta voiture ? Oui. Allons-y alors. D'accord.